on est venu découvrir comment vivaient les Gallo-Romains, comment se passait la vie au IIe siècle. Ici, c'est une des villas les plus luxueuses de la Nouvelle-Aquitaine, parce que les matériaux qui ont été utilisés pour la construction et la décoration de cette villa sont des matériaux extrêmement luxueux, comme les marbres, même les mosaïques sont d'une grande qualité. Vous avez ici une maison qui est remarquable de ce point de vue-là. Cette mosaïque polychrome, sa particularité, c'est de ne jamais avoir été restaurée. Donc on dit en archéologie qu'elle est brute de fouille. Elle a environ 1500 ans et elle n'a jamais bougé de Plassac. On va y voir par exemple des tulipes qui peuvent être soit rouges, soit jaunes. On peut également voir des feuilles de laurier, symbole de gloire et de pouvoir chez les Romains. Le sol sous le sable, qui est la mosaïque noire et blanche, et le sol au niveau de cette pièce, il y a une différence de hauteur, car ici, on a le système de chauffage. Things like underheating, underfloor heating, etc., which has become very popular this last number of years. They were doing it 2000 years ago. On a vu comment était cette villa, les jolis murs, les jolis sols, les pièces chauffées. C'est une super sortie.